Hey guys, c'est Kemens. Nous pourrons finir de parler de ça nous t'a parlé dernière fois. L'un t'a parlé de 5 bagages pour faire pour venir au pilote. Je dis à moi porter ben nous tout détail. Gros ami m'a parlé ensemble avec lui. Je lui ai dit Kemens, d'ailleurs mais gagner plus de détails qui j'ai pour me faire pour venir au pilote. Eh bien, mes détails. Premier détail là, c'est gagner ça aurait un certificat d'étudiant. L'âge minimum au besoin pour gagner un certificat d'étudiant, c'est 16 ans. À 16 ans d'âge, on a commencé un training avant ça. Mais à 16 ans, c'est l'essor qu'on a gagné, ça aurait un certificat d'étudiant ou bien un Student Pilot Certificate. Certificat d'étudiant, ça permet que vous-même, vous capable de commencer avec un training pour venir en pilote. Et à 17 ans, c'est le ça, c'est l'âge minimum ou besoin gagner pour capable gagner une licence pour un pilote ou bien un pilot certificate. Donc 17 ans c'est l'âge minimum pour gagner licence là, 16 ans c'est l'âge minimum pour gagner certificat d'étudiant. L'autre besoin c'est un certificat médical. Qui ça qui un certificat médical? Certificat médical là, c'est aller voir un docteur qui a signé spécialement par Aviation Fédérale la bonne test, la bonne examen pour si ou même ou en bonne santé pour capable voler en avion. Ou d'accord ensemble avec si un monde gain cœur, si un monde fait cœur ou bien si un monde a fait stroke, il est pas en bonne santé pour monde ça voler en avion. Donc, il a besoin pour monde ça aller pour aller voir un docteur qui a signé par l'Aviation Fédérale pour être capable de joindre un certificat médical. Certificat médical là, il y a trois classes là-dedans. Il y a classe 1, il y a classe 2 et il y a aussi classe 3. Classe 1, c'est pour le monde qui a volé commercial, c'est pour le monde qui a travaillé pour gros lignes aériennes. Il y a classe 2 aussi qui c'est pour commercial et classe 3 qui plus commun c'est pour monde qui fait qui entrer comme un pilote pour loisir ou autant d'autres choses. Moi-même par exemple, moi gagné un classe 3 certificat médical. Donc certificat médical là ou besoin pour gagner pour capable commencer training ou pour venir un pilote. Là-bas encore, pas besoin pour qu'on parle anglais. Anglais c'est langue internationale de aviation. Tout partout dans le monde, tout le monde parle anglais lorsque ils sont pilotes. Donc, anglais c'est un atout que lié. Anglais avec langue anglaise, il permet de parler avec monde qui a contrôlé trafic aérien. Anglais aussi, il permet de parler avec l'autre pilote qui est dans l'air. Donc, anglais c'est un atout, c'est une nécessité pour qu'on parle langue anglaise. Sous gain tout ça ou presque prêt pour gagner licence pour venir au pilote. Là on parle de training qu'on besoin pour capable venir pilote là. Dernière fois l'on t'a parlé à des jours que on a besoin 40 heures minimum pour capable passer pour capable apprentice pour gagner licence là. Nan, nan 40 heures ça ou gen deux gros bagages ou besoin qui sorti là-dedans. Premier bar là, ou besoin pour gagner yon dual flight time ou bien yon vol duo ensemble avec instructeur. Et deuxième bagage ou besoin yon vol solo, solo time, solo flight time ou bien yon vol seul pour contour dans avion. Donc nan dual flight time nan ou besoin 20 heures dans dual flight time qui c'est un vol ensemble avec instructeur et dans solo flight time on a besoin 10 heures. Là, ben fin expliquer bien. Et dans dual flight time là qui c'est vol côté ensemble avec instructeur, côté la poursuivre qui gens pour manœuvrer avion, on besoin 20 heures là-dedans. Dans 20 heures ça on besoin 3 heures cross country. Cross country hein, c'est un vol qu'on fait qui près de plus de 50 nautical miles. Ou besoin 3 heures vol la nuit, ou besoin 3 heures côté que ou même utiliser instrument. Dans 20 heures qu'on besoin dans dual flight time ensemble avec instructeur là, dans 20 heures ça gagne trois gros bagages ou besoin sortir là-dedans. 3 heures côté que instructeur là la suit. La bonne instruction comment pour
aller cross-country, 3 heures cross-country, 3 heures vol la nuit et 3 heures côté la pesouille pour utiliser instrument dans l'avion. Donc, c'est 20 heures ça, ou besoin ensemble avec instructeur. Ensuite, ou besoin 10 heures solo flight time. 10 heures solo flight time ça, puis gros bagage ou besoin que sorti la donne, ou besoin 5 heures. 5 heures cross-country. Cross-country, comme d'où, c'est une distance de, qui est plus de 50 nautical miles. 50 nautical miles qui est plus que 50 nautical miles. Donc, 5 heures là, dans 5 heures. Dans solo flight time, nous avons besoin de faire pour contour. Donc, dans 40 heures de temps minimum, dans moins de 2 ans, je vais prendre 20 heures la dernière, c'est dual flight time. 10 heures la dernière, c'est solo flight time. Dans, ça fait un total de 30 heures de temps et reste 10 heures de temps. Reste 10 heures de temps liés à loisir ou même pour utiliser jongler. Si vous voulez ensemble avec instructeur ou bien si vous voulez pour contour. Je vais dire, waouh! C'est trop ça que man, c'est un pile bagage ça est. Pas découragé, ou presque fini pour gagner licence. Mais qui dernier bagage ou besoin pour faire pour gagner licence là? Dernier bagage ou besoin pour prendre un test à l'écrit. Un test à l'écrit, c'est ou aller dans un centre d'examen qui bon test ça côté que aviation fédérale la signer centre ça pour bon test ça. C'est simplement 60 questions, il pas difficile. 60 questions côté tester et connaissances sur aviation, sur température et tant d'autres choses. Mais c'est 60 grandes questions ou je n'en teste ça, yo pose. Test à l'écrit à lui-même ou capable prendre à n'importe le ou voulez pendant on apprend training ou capable prendre avant ou commencer ou capable prendre pendant on apprend ou même capable prendre après on finit prendre n'importe l'offre prendre test à l'écrit ou capable prendre test là. Dernier bagage ou bien besoin c'est ça ou le yon check ride and ça c'est le qui dernier examen check ride là c'est même gens avec ou même qui était et elle prend une licence pour conduire. Sou changer l'autre elle prend licence pour conduire ou te gain suite à te bon côté examiner à te bon côté li assurer que ou même ou peser frein là ou lumière rouge ou bien passer signal là ou virer. Donc c'est même bagarre la check ride là. Check ride là il gain deux parties là-dedans, il gon partie orale et avec une partie vol. Parti oral là, examiner à poser question qui presque même j'ai avec question côté jeune dans test à l'écrit. Il pose question sur aviation, il pose question comment ou même ou manœuvrer avion et tant d'autres choses. Et l'offre passe test oral ça avec examiner là pour la prendre ensemble avant les cognia, il prend tester pour qui j'en même ou manœuvrer avion. Qui j'en ou même ou manœuvrer avion non l'organe urgence l'organe emergency. Donc et ensuite les tester pour voir si vraiment ou yon bon pilote. Donc c'est pas difficile, c'est pas grand chose et 40 temps ça ou capable trouver li en pile. Même pas oublier me dire l'op prend training moi c'est la cocoyon yon amusement et 40 temps la passé bien rapide sans que vous même pas même réaliser. Donc m'encourage si vignon pilote c'était un rêve pour si vignon pilote son bar ta remet faire pas perdre du temps entrer là-dedans pas oublier tout ça que vous mettez mon là-dedans pour capable faire du moment que vous même ouvrez faire pas arrêter dormir en avancer à l'avant. À la prochaine.